Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAC. Calcul au certificat d'études primaires numéro 17, source La Voix du Nord. Premier problème, fil téléphonique. On relie par 5 fils téléphoniques Paris à Clermont-Ferrand, distant de 420 km. Combien de tonnes de fil faut-il si 1 mètre pèse 100 grammes? Combien faut-il de rouleaux de 200 mètres de fil et quelle sera la dépense à raison de 8,50 francs le kilo? Alors, 5 fils téléphoniques distants de 420 km. Ici, 5 fois 420. 5 fois 420. Donc 0, 0, 2100 km. Ou encore 2 100 000 mètres. Combien de tonnes de fil faut-il si 1 mètre pèse 100 grammes? Ici, 2 100 000 mètres fois 100. Eh bien, ça fait 210 millions de grammes. Ou encore 210 000 kilogrammes. Et donc ça fait 210 tonnes. Donc ici, on a une tonne est égale à 1000 kg. Combien faut-il de rouleaux de 200 mètres de fil? Et quelle sera la dépense à raison de 8,50 francs le kilogramme? Donc combien faut-il de rouleaux? Donc ici, nombre de rouleaux. Nombre de rouleaux. Donc il faut diviser 2 100 000 par 200. 2 100 000 divisé par 200. Divisé par 200. Enlever 2 zéros. Ici, ça va nous faire 10 500. 10 500 rouleaux. Donc, il faut 10 500 rouleaux de 200 mètres de fil. Et 8 francs 50 le kilo. 8 francs 50 le kilo, donc le prix. 8 5 fois 210 000, 1 680 000, 1 680 000 plus 105 000, donc ça va nous faire 1 785 000 francs. Donc ainsi, combien de faut-il de tonnes de fil? Il en faut 210 tonnes. Combien faut-il de rouleaux de 200 mètres? Il en faut 10 500. Et quelle sera la dépense? La dépense sera de 1 785 000 francs. Deuxième problème, vainqueur d'une course cycliste. Le vainqueur d'une course cycliste a mis 5 heures, 34 minutes et 21 secondes. Le deuxième de l'étape arrive à 3 minutes et 48 secondes plus tard. Quel est le temps de parcours du deuxième de l'étape? Alors, ici, le vainqueur de la course cycliste a mis 5 heures et 34 minutes 21 secondes. Donc ici, le vainqueur, 5 heures, 34 minutes et 21 secondes. Ça, c'est le vainqueur, le premier. Le deuxième de l'étape, donc le deuxième, a mis donc plus 3 minutes, plus 3 minutes et 48 secondes. Là, on fait une addition de temps, 5 heures, 34 minutes 21 secondes plus 3 minutes et 47-48 secondes. Donc ici 1 et 8, 9, 2 et 4, 6 secondes. Donc là on a 60, donc 0, 9 plus 1 minute, donc là on retient 1. 4 et 3, 7 plus 1, 8, 8. 3 et 5. 5 heures, 38 minutes et 9 secondes. Le deuxième de l'étape a mis 5 heures, 38 minutes et 9 secondes. Troisième problème, calcul de fraction. Trouvez les résultats de ces opérations. 32 fois 3 demi, 96 fois 3 quarts, 15 fois 4 cinquièmes. Alors les résultats des multiplications.
Donc 32 fois 3 divisé par 2. Ici, on peut... Donc 32, c'est 16 fois 2 fois 3 divisé par 2. On simplifie par 2. 16 fois 3 est égal à 48. 96 fois 3 divisé par 4. 96 fois 3, tout divisé par 4. Donc c'est 24 fois 4 fois 3. 24 fois 4 fois 3 divisé par 4. On simplifie par 4. 24 fois 3, 2, 7. Donc 96 fois 3 quarts est égal à 72. 15 fois 4 cinquièmes. 15 fois 4 sur 5. 15 c'est 3 fois 5 fois 4 sur 5. Donc on peut simplifier par 5. 3 fois 4, 12. Quatrième problème, récolte de blé. Un agriculteur a fait battre sa récolte de blé. L'opération lui a coûté 18 francs à raison de 3 francs par sac de 150 kg. On sait aussi que 3 douzaines de gerbes ont donné un sac de grains. Combien cet agriculteur a-t-il récolté de gerbes de blé ? Alors ici l'agriculteur, récolte de blé. Donc à raison de 3 francs par sac de 150 kg, donc, il a fait 6 sacs, donc 18 divisé par 3, donc 6 sacs de 150 kg. On sait aussi que 3 douzaines de gerbes ont donné un sac de grain. Donc ici on fait 12 fois 6, alors 3, donc 3 fois 12 fois 6, 12 fois 18, alors c'est 12 fois 20, moins 12 fois 2. 12 fois 20, 240, moins 24, 216 germes de blé. Combien cet agriculteur a-t-il récolté de germes de blé ? Il a récolté 216 germes de blé. Cinquième problème, couper un tuyau. Un plombier se propose de couper un long tuyau de zinc de 1,25 m en 5 morceaux d'égale longueur. Quelle est en centimètres la longueur de chaque morceau de tuyau ? Alors, un tuyau de zinc de 1,25 m, ce qui fait 125 cm. On veut le couper en 5 morceaux d'égale longueur, donc on fait 125 divisé par 5, ceci nous donne 25 cm. Ainsi, quelle est en centimètres la longueur de chaque morceau de tuyau ? Eh bien, chaque morceau de tuyau mesure 25 cm.